Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de... Arc, pardon, excusez-moi, j'ai complètement bugué. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore été buté, c'est génial, je commence à en avoir ras-le-bol. Donc je vais peut-être lancer un appel. S'il y a des gens sur ce serveur, l'official serveur 255, qui veulent me faire une petite maison sympathique, qui jouent au jeu et qui veulent bien me faire une petite maison sympathique, parce que pour moi c'est assez compliqué en fait, je peux pas tourner 800 000 épisodes de ce jeu à la suite. Donc si des gens sont capables de m'en faire une comme ça, ce serait sympa. Je vais respawn, random location, et on verra bien ensuite ce qui peut nous arriver. Voilà, donc on respawn encore, et encore, et encore. Il y a des tas de cadavres devant, c'est cool. Je n'ai plus de maison, là il y a une maison mais je crois qu'elle me protégera pas. Donc on reprend là où on était au début, on n'arrête pas de reprendre au début. Donc je lance l'appel, hein, si vous pouvez me faire une maison sur ce serveur là, donc l'official serveur 255. Moi je serais ravi de pouvoir continuer cette aventure avec vous. C'est une aventure qui n'avance pas au final, donc ça m'ennuie pour vous. Donc voilà. Voilà. Alors je ne demande qu'un endroit safe en fait. Je ne veux pas un endroit en fait où je peux mourir connement. Un simple abri en fait, vous savez, un abri où je pourrais dans lequel je pourrais par exemple me poser au moment où je déconnecte. Faut savoir que je peux tourner, enfin je tourne de certains jeux en fait en fonction de la demande que j'ai. C'est-à-dire que si j'ai besoin de tourner un épisode d'Arc, je n'en ai besoin d'en tourner un. En fait, quand j'en upload un, j'en tourne un, voilà. Donc j'ai besoin d'un endroit où je peux ne pas être tué pendant plusieurs jours, si possible. D'où le fait que j'ai choisi un serveur PVE, déjà ça m'évite d'être tué par d'autres joueurs durant mon sommeil. Après, si vous connaissez une astuce pour ne pas crever pendant son sommeil, entre guillemets, parce qu'apparemment, quand on se déconnecte du jeu, on s'endort. Ça serait extrêmement cool. Bon, je pense qu'au niveau des fibres, on a déjà chopé une bonne quantité. 44, bon, c'est vraiment rien, encore une fois, hein, mais bon, écoutez, on peut pas faire mieux pour l'instant. Wood et thatch, c'est cool. C'est parti. Il m'aurait fallu un peu plus de thatch. Allez. Parfait. J'espère que le jeu n'a pas encore une fois oublié les... Bah non, les configs, c'est bon. Non, c'est bon. Attendez, je vais quand même tester un coup. Ok, non, c'est bon, ça marche. Non, pas là-dedans. I. Craft. Je peux toujours pas. Il manque deux thatch. Allez, donnez-moi. Allez. Allez, donnez-moi. Il veut pas. Oh, seriously, donnez-moi quelques thatch. Ça y est. Voilà, il est en train de la crafter. Parfait. Un mammouth là-bas. C'est cool. Hop. Un peu plus de thatch. Qu'est-ce qu'il nous faut pour crafter la... Hop, la hache. Il nous faut un flint. Parfait, donc il nous faut trouver un caillou. Je pense que je peux taper là-dedans sans que ça le casse. Non? Raté. De toute façon, j'ai des cailloux là-bas. Là n'est pas la question. Hop. Seriously? Oh! You are cold! Oh non, je suis cold! En plus, je viens trouver un flint comme ça dans le bordel. Non plus.
S'ils étaient pas tamed, j'aurais un peu peur. Un flint, allez! Il donne quelque chose! Flint! Ça y est! Ouh. Oui, je sais bien que je suis fatigué. Parfait. Bon, on peut récolter du bois, on peut récolter des thatch. Oh, t'es sérieux? Oh, dites-moi ce qui se passe, chers amis, pourquoi ça fait ça? Pourquoi des fois j'ai besoin. Peut-être qu'il faut pas bouger la main en fait, simplement. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Bon, pourquoi pas. J'ai pas des masses envie de me faire un. Du coup, un truc comme ça, parce que voilà quoi. Alors, sinon, faudrait que je me. What? Et le poisson s'envola. Et disparu. Pourquoi pas. Ouais. Bon, on se fait un petit peu de bois, puis après on va se mettre à se faire du thatch. Je sais pas, à vrai dire, je sais pas quoi faire, chers amis. Ça m'ennuie d'avoir à mourir tout le temps. Alors, je vais peut-être me pioter dans une baraque d'un autre, tout simplement. Si je peux survivre comme ça, écoutez, ce serait pas mal. Au moins quelques jours. Ou améliorer tout simplement la baraque du mec là. Ah, ça c'est une idée. Ce serait pute qu'il détruise son mur quoi. Oui, ce serait pute. Il y a un dodo là-bas. Est-ce que j'ai de quoi me faire une pique? Ah, j'ai fait caca. Je crois que j'ai fait caca. Et je l'ai pas senti. Ce qui est triste. Il me falloir un peu plus de flint. Et ici, il va me falloir un peu plus de flint aussi. Bah écoutez, on va partir sur du flint alors. Je vois des cailloux. Je vois un dodo. Mais surtout, je vois des cailloux. Je vois deux dodos. Oh. Pretty interesting. Continuons. Deux flint, parfait. Pourquoi deux torches? Est-ce que je peux annuler une torche, s'il vous plaît? Vite. Non, je peux pas. Ah bah si, avec clear, mais bon, c'est pas grave. Bon, monsieur le dodo, vous êtes niveau 48. Alors, je vais... tenter de prendre sa viande. Voilà. Apparemment, il ne veut pas me donner plus de viande. Hein. Ça y est. Bon, j'ai vu son pote tout à l'heure. Mais d'abord, on a un level up. Donc, on va aller le mettre. Melee damage, on va en mettre un petit peu. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Il nous faut quelque chose qui puisse nous aider. Nous aider sérieusement. Alors, un flag, non. Oh putain. Des fondations de bois. Ça pourrait peut-être être utile, ça. On va prendre celui-là. Hop. Ce serait peut-être pas mal. On verra pour le mur une autre fois. Waouh, on a des fondations en bois. Je serais curieux de savoir comment, ce qu'il faut pour les faire. Bah, elles sont où? Là. Plus de bois. Le bois, c'est facile à trouver. Putain, il faut toujours du thatch. C'est quoi la différence alors du coup?
15, 20, et là, c'est pareil. Mais c'était complètement inutile, c'est juste plus solide en fait. Ah, mais non! Ah, je suis vexé. Sincèrement, les amis, là, je suis carrément vexé. Oula, la chute va être dure si je tombe ici. Ah, dodo! Attaquons le dodo! Niveau 40. Donne-moi ta viande! Bon, donne-moi ta fourrure alors. Un peu plus de fourrure. Merci. On va se rentrer, on va peut-être allumer un feu aussi. Ça va. T'es pas mort. T'es pas mouru. Allez, ramasse. Hop. Faites. Il a mis une porte quelque part. Là, pas de code pin. Putain, il a mis un code pin. Non. Non, sérieux, c'est pas sympa, bro. M'écrivez pas. Non, mec, sérieux, c'est pas sympa. J'ai vraiment besoin là. Je viens de faire caca sur ta... Bon, d'accord, je viens de faire caca sur ton truc. C'est vrai que ça se fait pas. Mais ouais, non, là, j'ai vraiment besoin d'être sauvé, quoi. Non, la copain, c'est vraiment pas top. Attendez, son code PIN, c'est pas 000 ou c'est juste le CAD? Oh, la gueule. Mais non, copain, c'était pas drôle, ça. Oh, putain, et puis je vais me faire chasser encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je peux en faire deux murs. Qu'est-ce qui me manque? Des thatchs. Écoutez, on va faire du thatch et du fiber. Hein. Puis on ira placer ces murs-là, puis il sera niqué comme ça, puis ce sera cool. Ah non, je sais où est-ce que je vais les placer, les murs. Faut falloir économiser comme ça, on va pouvoir économiser un petit peu... ce qu'on a. Un petit peu de thatch. Parfait. Attends, un petit peu de fibre. Oui, ça c'est bon comme fibre ça. Ça j'aime. Pas la marque hein. Elle était vraiment nasse celle-là, je suis désolé chers amis. C'est juste que je suis enthousiaste quant au fait que peut-être possiblement je vais pouvoir survivre pour le prochain épisode, ça serait cool. Donc je vais faire appel à vous sinon, hein, écoutez chers amis, je fais appel à vous et à votre aide, je vous ai donné le nom du serveur. Si vous voulez bien me poser quelque chose dans un coin et venir me chercher, vous m'ajoutez sur Steam et vous me dites où est-ce que vous êtes sur ce serveur. Je ne vais pas changer de serveur pour la forme, du coup si, comme ça si certains font des choses pour moi, bah, ça me permettra d'aider. D'être aidé en tout cas par vous. Si j'aimerais éviter aussi le fait que vous me donniez des ressources. Bon, on verra ensuite, mais pour l'instant ce serait à éviter, j'ai envie de dire. Merci. Hop, crac. On va aller voir là-bas. Alors, il va me falloir du coup un machin avec une porte aussi, si on peut les faire faire. Hop. Parfait. Faisons notre repas. Toujours ça de prix après tout. Apparemment on commence à avoir très très froid.
Non, très très soif. Très très froid. Je ne sais pas. Pour ce qui est de la soif, c'est bon. Apparemment, on est stunt. Pour une raison inconnue. Ce serait bouffer un tir de quelque chose, non? Je sais pas. J'ai que deux murs. Arrangeons ça. Hop. Si je peux en placer un là. Placer un deuxième truc là et venir me mettre là. Ce serait cool. Il va falloir une fondation aussi. Je vais pas avoir de quoi. Il va me falloir plus de thatch. Plus de thatch, ah ben on va chercher plus de thatch. Chers amis. Encore un peu. Parfait. Si je peux démolir ça et en récupérer le... Je peux pas en récupérer les trucs. Ah merde. Je croyais que j'allais en récupérer les ressources. Fais chier. Alors je veux pas du flint, j'aimerais de la pierre. Hop, un petit peu de cailloux par là, c'est parfait. Niveau du combustible, on verra ça tout à l'heure. J'ai encore fait caca. Là, je vois encore de la pierre. Hop, c'est parfait tout ça. Bon, est-ce que je peux faire la fondation? Hop. Ennemi fondation Orgate. Non, vous êtes sérieux, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Si c'est pas cool. Si c'est pas cool. Sérieusement, là, ça commence à être très très dur comme jeu. Bon, bon, bon. Ben écoutez, chers amis, je vais compter sur vous. Alors, peut-être que je peux placer là. Non. Écoutez, je peux placer là. Je vais essayer de profiter de ces deux armes pour m'en refaire un peu plus. Avant que je n'y vois plus du tout. Avant que je n'y vois plus du tout. Hop. Alors. Alors. Ici. Voyons voir. Ok, l'arbre a déjà pété, c'est cool. Parfait. Ici. Il n'y a pas grande bestiole autour, donc avec un peu de chance, on peut espérer quelque chose. Est-ce que par exemple le mur, je peux le mettre plus loin? Non. Il faut absolument un point. Écoutez, on va retenter l'expérience. Si on se refait tuer à travers le mur, ce sera vraiment couillon. Parce que c'est ce qui arrive, chers amis, hein. Malheureusement, c'est ce qui arrive. On se fait tuer à travers le mur.
Je vais regarder si on peut pas faire un petit toit pour la forme. Il nous faudrait ça aussi. Mais alors pour trouver autant de hide, on peut toujours se torcher, j'ai l'impression. On va quand même aller voir si on peut pas en trouver un petit peu. S'il n'y a pas quelques dodos dans le coin ou un truc comme ça. Non, je l'ai fait le toit. Hop. Hop, parfait. Du coup, on va le loquer si c'est possible. Cette pin code, voilà. Est-ce que c'est possible? Alors, 0 0 0. Voilà. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelques bébêtes dans le coin, hormis celles-ci qui sont beaucoup trop grosses pour moi? Y a-t-il quelques dodos dans le coin? C'est con. Il y a des macabées dans le coin, mais alors à part ça, il n'y a pas grand-chose. Il y aurait bien un ou deux dodos. Oh putain, ça m'a foutu les boules cette plante. Un ou deux dodos, c'est possible. J'ai besoin de fourrure pour me faire au moins un spawn point, quoi. Un dodo, c'est possible. Oula, baisse de framerate. Normalement, ça ne devrait plus arriver, ce genre de choses. Superbe cet endroit. You are starving. Ah, je crève la dalle. Et ma viande, c'est complètement usée. Mais c'est génial! Et j'ai fait caca aussi sec. Ce que j'ai mangé, c'est déjà digéré. Mais je vais encore crever, dites-moi! Bon, allez, tentons notre chance. Géronimo! Non, c'est la mort. Voilà. Bon, bah, écoutez, les amis. Moi, je vais vous faire confiance. Je vais vous demander de l'aide. N'hésitez pas à commenter à ce sujet, on verra ensuite comment ça va se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.